Salut à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors je suis penchée un peu comme ça parce qu'en fait je suis en train de faire la déco du sapin et je me suis dit que c'était pas mal de vous la filmer. Là où il y a une guirlande là, mais je suis en train de la retirer parce qu'en fait je suis en train de tout décaler les guirlandes. Parce que je me souviens que j'avais fait la déco avec les guirlandes que j'avais là. Et là je les ai posées et en fait j'en avais pas assez pour le bas du sapin et je me rappelle que j'avais fait vraiment qu'avec les guirlandes que j'avais. Donc là, je suis en train de les décaler pour vraiment que ça arrive jusqu'en bas. Voilà. Après, de toute façon, enfin, ma mère, elle va rentrer, elle finit à midi et demi, donc normalement, à 45-50, elle sera là. Donc après, je vous donnerai son avis. Voilà. Donc là, bah, je suis en train de faire la petite déco, donc je me suis dit que c'était pas mal de vous la filmer. Après vraiment s'il y a des choses à racheter de toute façon j'irai puisque il faut que j'achète des piles pour certains petits personnages qui s'illuminent qui sont sur le buffet que j'ai déjà posé sur le buffet. En fait j'ai commencé simplement la déco et je me suis dit que ça va être pas mal de vous la filmer. Hop, c'est juste un peu galère je trouve de poser la guirlande. En fait, faut pas la poser, enfin pour moi, faut la poser un étage sur deux, je pense. Après, je la pose un peu où elle se pose. Hein. Voilà. Bon, pour l'instant, je vais juste mettre ça sur... le terrarium de Poggy. J'ai mis une petite guirlande pour l'instant. C'est juste la guirlande que je reprends après. Alors là, je regarde, je cherche juste où est-ce qu'elle s'est arrêtée. Hop. Alors par contre, c'est un peu chiant, c'est que les guirlandes bleues, elles sont plus petites que les guirlandes dorées, donc c'est un peu casse-pied. Du coup, voilà. Bon, en fait, bah, j'en rachèterai. J'en achèterai une bleue et une comme ça, là. Une comme ça. J'essaierai de trouver une comme ça, à peu près une dans les tons comme ça. Et une dans les tons comme ça. Je vous filmerai pas mes achats, mais je vous montrerai ce que ça donne sur le sapin directement. Voilà. Je vais commencer à poser les boules, tout simplement. En haut, on va faire des boules. Les boules grises, puisqu'il y a la guirlande bleue. Et petit à petit, je vais mettre. Donc en fait les boules comme ça, hein, de toute façon vous les avez. Ah j'arrive pas à parler. Vous les avez déjà vues. Bon après je vais essayer de les poser un peu plat. Toute façon ma mère je pense qu'elle va rebouger donc. Ah oui c'est vrai que je galère tout le temps avec ces boules. Sérieusement. Mais c'est pas possible en fait. Ça y est, Noël approche.
Non, mais franchement, pour moi, je trouve que poser le sapin, ça a une ambiance de Noël. C'est vraiment que Noël approche. Voilà. Pour ça que j'adore faire le sapin, en fait. Alors, vous allez voir avec moi, il n'y a pas beaucoup, enfin, il n'y a pas de déco en haut. Bon, je pense qu'avec ma mère, par contre, il y en aura. Voilà, les trois premières boules. Donc une comme ça, toute simple. Vous avez déjà vu. Hein. Ensuite, une un peu plus dorée, enfin dorée brillante quoi. Et une avec des lignes brillantes, enfin transparente avec des lignes brillantes. Voilà. Ensuite, bah, je sais pas, je vais continuer un petit peu. Je vais mettre un petit peu comme ça. De toute façon, ma mère va arriver, elle va bouger, je pense, quelques boules. Voilà, je le sens, mais c'est pas pour autant que je vais l'arrêter. Je vais les faire quand même, et puis de toute façon, elle va aller bouger, je le sais. Mais c'est pas grave. Eh ben. Parce que maintenant c'est plus ça. Voilà. Donc là, vous voyez pas, mais je viens de poser une boule bleue, hein. C'est vrai que les boules bleues, j'ai l'impression qu'on les voit pas beaucoup. Voilà, je suis. Hop. Après, je les pose un peu partout, un peu n'importe où, hein, mais de toute façon, comme je vous ai déjà dit, enfin, comme je vous dis, ma mère, elle reverra ça, de toute façon. Parce que je suis jamais trop douée en déco. Moi, par contre, ce que je fais, c'est que je ne fais pas l'arrière.
Je ne fais pas ce qui se voit pas. Voilà. En termes de boule et tout, je ne fais pas ce qui se voit pas. Je fais vraiment là. Je m'arrête ici. Vraiment là. Ensuite, je fais jusque là. Vous le voyez pas. En fait, je fais là. Jusque à peu près là. Et jusque ici, en fait. Jusqu'ici. Voilà. Jusqu'ici, parce que de toute façon, l'arrière, ça se verra pas, puisque c'est contre le mur. Donc, voilà, alors je prends les suivantes et je continue. Hein. J'en mets un petit peu partout. Voilà, mais je pense qu'il va falloir que j'en rachète pas mal parce que là, clairement, on n'en a pas en fait. J'ai l'impression qu'on n'en a pas du tout. Voilà, c'est parce qu'en fait, ils éparpillent pas. Je ne sais jamais comment faire un sapin, j'en plus de c'est un truc de fou. Et hop, allez! Ah oui, j'en fais tomber aussi. Hein. Mais en fait, là, je vais vous montrer un truc. Un truc qui est pas mal. C'est quand même un petit problème. J'ai fait tomber la boule, on est d'accord. Hein. Mais j'ai ça qui me reste dans la main. La boule est tombée, mais l'accroche est là. Où est la boule? Ça, c'est le problème, c'est que les boules pas chères, l'accroche, on le sent, elle n'est pas de très bonne qualité. À mon avis, elle me fera pas un quatrième Noël, celle-là.
être très visible parce que c'est un ange. Et moi, j'adore les tout ce qui est ange, ça, j'adore. Donc, en fait, il faut que je trouve la partie la plus décorée. Je pense que je vais la mettre là. Donc, clairement, voilà. Donc voilà, l'ange est en bonne position pour nous veiller tout le temps de Noël. Ah, mais je peux pas le mettre là, je suis con, il y a un truc brillant ici. Oh là là là, c'est un peu compliqué de faire un sapin. Et là non plus, je peux pas le mettre parce qu'il y a une guirlande brillante. Donc je vais le mettre là. Voilà. Donc il est là, hein. En bonne place. Là, je le touche, il est juste là. Voilà. Donc là, ma mère va bientôt rentrer. J'ai hâte de lui montrer la déco. Donc là, les petits papillons comme ça, c'est simple. Ça s'accroche. Il n'y a pas vraiment d'accroche. Ça se fixe au sapin et ça se fixe à la branche, en fait. Dès qu'on a cherché une place, dès qu'on a trouvé une belle place, on le fout sur la branche. Et on entortille ce que je vous ai montré, donc le petit bidule, sauf que c'est pas très simple. Et ça, bah, souvent, j'en retrouve par terre avant la fin de Noël. Ça fait beau. Ah, mais il y en a encore des boules, en fait. Je pensais que j'en avais plus. Bah sur ce, je vous laisser. Enfin, je vous laisser. Je vous reprendrai. Enfin, je vais faire du montage. Je vous laisser pour cette partie. Je vous reprendrai dès que la déco sera finie. Voilà. Et donc sur ce, je vous laisse. Bah, à tout de suite pour vous et à tout à l'heure pour moi. Donc voilà. Allez. Donc voilà. À tout de suite pour vous et à tout à l'heure pour moi.